Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Est-ce qu'il vous arrive parfois de tomber en panne de pain et de vous dire oh là là, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de prendre ma voiture, mon vélo ou même d'y aller à pied pour aller à la boulangerie? Et encore, si vous en avez une, pas trop loin de chez vous. Si comme moi vous vivez à la campagne, la première boulangerie c'est un petit peu loin. Donc, et ben moi des fois quand j'ai pas de pain, et ben je fais du pain express. Je fais un pain très facile à réaliser qui cuit à la poêle. Vous allez voir une petite merveille. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour la recette du pain express. Je commence ma recette en mélangeant ma levure dans un petit peu d'eau tiède. Ici, j'ai mis ma farine avec l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Je viens mélanger ma levure. Allez, maintenant, je mélange ma farine et mon sel. Je fais un petit puits dans lequel je verse l'eau et la levure. Et je viens mélanger avec ma cuillère. Ça y est, j'ai fini de mélanger mes ingrédients. Alors vous voyez, on obtient une pâte un petit peu liquide. Je ne vais pas dire liquide, mais voilà. En tout cas, pas solide. Vous inquiétez pas, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va laisser notre pâte tranquille dans un coin de la cuisine pendant une heure. On va venir la couvrir d'un film alimentaire et on va la laisser reposer tranquillement pendant une petite heure. Et ben voilà, j'ai oublié ma pâte, ça fait 2 heures qu'elle est en train de gonfler. Regardez, elle est magnifique, elle est bien aérienne, elle est parfaite. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va venir mettre un tout petit peu de farine sur le dessus et on va venir la travailler. Alors oui, elle est encore un peu collante. Ouais, regardez comme elle est belle. Oh là là, ça c'est magnifique. Allez, on va venir travailler ça. Hop. Ouais, elle est vraiment un petit peu liquide quand même. Je vais rajouter un petit peu de farine. Voilà. Et on va venir la travailler pour avoir quand même une pâte qui se tient un minimum. Allez, je vais venir le déposer sur mon plan de travail fariné pour finir de la travailler. Voilà. Parfait. Allez, on vient maintenant travailler notre pâton comme on le ferait pour des pâtons à pizza. On vient ramener, hop, voilà, les bords ici vers le milieu. Voilà, si ça colle un peu, on vient se mettre un petit peu de farine sur les mains. Voilà, on est pas mal. Et là, on obtient une belle boule de pâte. Voilà, et là, on a une belle boule de pâte, regardez. Magnifique. Dans la poêle qui va me servir de cuisson, je viens de mettre de l'huile de tournesol. Je vais maintenant venir y déposer mon pain, que je vais légèrement étaler pour qu'il prenne toute la place dans la poêle. Mon pain est bien étalé, je vais maintenant le laisser reposer une demi-heure. Voilà notre pain qui a reposé, alors à couvert, hein, je ne vous l'avais pas dit, mais j'avais mis un couvercle dessus pour faire un peu une étuve. On va maintenant le faire cuire à couvert et on va le laisser sur cette première face pendant environ 15 minutes. Regardez notre pain au bout de 5 minutes, comme il a gonflé. Regardez ça, c'est magnifique. Regardez, on voit bien hein, la buée sur le couvercle. Très, très important. Hein. N'oubliez pas de bien couvrir votre pain pour le faire cuire. Alors, je suis à 20 minutes. 20 minutes de cuisson. Parce que j'avais regardé un quart d'heure, ça me semblait un peu léger. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va venir huiler le dessus de notre pain. Hop. Voilà, pour pouvoir le retourner, vous allez voir, c'est très facile, mais il faut bien le huiler pour le faire cuire maintenant de ce côté. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre une assiette de la taille de la poêle, comme ça, et on va retourner
Alors attention de ne pas faire de bêtises, je vais faire plutôt comme ça. Hop, 1, 2, 3, yes! Ouais, regardez ça les amis, comme c'est beau! Allez, on remet vite le pain dans la poêle. Regardez, oh là là, splendide! On remet notre couvercle et on relaisse cuire eh ben, pour environ 20 minutes, à nouveau. 20 minutes plus tard, vous allez me dire, mais comment savoir si mon pain est cuit? Alors déjà, regardez, vous voyez, il est hyper moelleux. Ça, c'est grâce au couvercle. Et on va simplement venir mettre une pointe de couteau ici, comme ça, sur le côté. Hop, voilà, on l'enfonce. Et si elle ressort sèche, c'est que notre pain est cuit. Là, on est pas mal, mais pas tout à fait. Allez, je vais le laisser 4 minutes de plus. Ce coup-ci, c'est bon, mon pain est cuit. Je vais venir le débarrasser sur une grille. Hop. Voilà, la petite merveille. Ah là 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 là, c'est magnifique. Et bien maintenant, il nous reste à le laisser refroidir. Vous voyez, la partie qui était dessous a une croûte un peu plus dure. C'est une merveille. Allez, comme je le disais, on va le laisser un petit peu tiédir parce que je vais avoir du mal à le laisser refroidir complètement. En tout cas, tiédir et après, je l'ouvre et je vous montre l'intérieur. Voilà les amis, je viens de couper notre pain en deux. Regardez, regardez l'intérieur de ce pain. C'est absolument magnifique. Vous avez vu la simplicité pour réaliser un pain express et vous régaler, même si vous habitez loin de la boulangerie. L'intérieur de notre pain est extrêmement moelleux. C'est une merveille. Alors ce pain, on va évidemment le goûter. Regardez comme il est moelleux. J'appuie dessus, il remonte tout de suite. C'est vraiment une merveille. J'adore. C'est génial. Les amis, notre recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous permettra de faire du pain lorsque vous êtes en panne. N'oubliez pas, ce pain, vous pouvez le conserver quelques jours à condition de bien l'emballer dans un torchon tout propre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager, dans la cuisine ou au jardin, encore une fois, si la pluie s'arrête de tomber. Bisous à tous, ciao !